Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, champignons. Champignons. Trompette de la mort, j'avais dit. Non, je le fais mal, non. Je veux pas dire que je les ai ramassés, je veux pas être comme ça. On me les a donnés, donc je reste humble et tout simplement, on me les a donnés, voilà. Il y en a certains qui diraient, oui, moi je les ai ramassés. Ben non, moi, tout simplement, je les ai pas ramassés, on me les a donnés. D'ailleurs, à ce niveau-là, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour mon ami Guy, voilà, abonné à la chaîne d'ailleurs, qui a mis naturellement avec moi, qui vient régulièrement manger aussi ici, voilà, qui m'a ramené ces magnifiques trompettes de la mort. Donc aujourd'hui, c'est pas juste pour vous parler de ces trompettes, c'est pour vous montrer comment je les conserve. Donc on va voir ça ensemble. D'ailleurs, là qu'on y est, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à dire si vous ramassez des champignons, quels champignons vous ramassez, comment vous les conservez et comment vous les consommez. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, j'ai attaché une trompette, voilà, avec soit du fil à couture, soit du fil de pêche, ou soit de la tresse, comme là, à l'occurrence là, de la tresse de pêche. J'ai attaché comme ça, voilà, un petit nœud tête de louette et un petit nœud classique à la con. On verra après pourquoi. Donc ensuite, à l'autre bout, la petite aiguille attachée. On prend les champignons, un par un. Donc j'ai pris environ 2 mètres. Donc voilà les amis, on va laisser sécher ça pendant environ une quinzaine de jours. Ensuite, une partie partira sous vide. L'autre partie partira en bocaux, naturellement, avec du cognac. Inutile de vous rappeler que je suis dans la région du cognac, que le cognac coule naturellement à flot chez nous. Donc ça partira dans le cognac. Je pourrais en mettre aussi, si je souhaiterais, dans des bocaux directement, pas stérilisés, mais comme ça. J'ai une machine sous vide, donc ça sera sous vide. Ces champignons, vous les verrez bientôt dans des pâtés, dans différentes recettes. Bonjour à tous les amis. Nous revoilà pour la suite de la vidéo. Donc pour vous, c'est instantané. Pour moi, ça fait déjà facilement 3 semaines, un mois que mes trompettes de la mort sont en train de sécher. Donc, elles sont à présent secs, elles ont bien diminué. Donc, il y en a une partie qu'on a déjà mis sous vide et on en a ramassé une autre partie. Celle-ci, ont été ramassées à peu près en même temps, qu'on a fait sécher. Et là, maintenant, on va les mettre
dans le cognac. Allez, c'est raté avec le cognac, elles étaient déshydratées, séchées, voilà, pendant plusieurs semaines. Donc là, elles vont se réhydrater avec le cognac. À noter que ce cognac ne sera pas jeté par la suite, sera conservé pour améliorer des sauces, des flambages et comme en l'occurrence dans mon cas, faire des pâtés. Voilà. Donc ce cognac ne sera pas jeté, voilà. La bouteille est vide, hein. De toute façon je ne l'ai pas vidée que là-dedans. C'est pas grave, on va la re-remplir. Chez nous, c'est pas ce qui manque. Donc voilà les amis, pour la petite explication de la conservation de ces petits champignons, différentes façons. L'année prochaine, je vous montrerai d'autres façons. Donc là, dans le cognac, j'en ai fait sous vide aussi. L'année prochaine, on verra d'autres façons de les faire, les conserver. Donc si vous aimez les champignons, vous aimez un peu les produits de la nature, le jardin, tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne. Pour ça, vous abonnez, actionnez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont concerner les petits champignons, le jardin et d'autres petites récoltes qu'on pourra faire à ce sujet-là. Moi, ça me fait vraiment plaisir de consommer des produits de la terre et vraiment là, des trucs qu'on a pu ramasser. Ceux d'avant qu'on a pu m'offrir, voilà. Je tiens à le rappeler quand même, voilà, parce que il y aura sûrement des rageux qui vont dire « Ouais, putain, voilà, les rageux, hein. Clairement, vous savez ce que je veux vous dire. Hein. Donc, moi, ça me fait très plaisir. Et on cuisinera ces petits champignons dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, le pouce bleu, vous abonner, actionner la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre là, Facebook, là, Instagram. Et je vais vous dire salut, allez chercher les champignons. Salut les amis.